ça passe. C'est vraiment une énorme occasion pour les héros. Papy, qu'est-ce que t'as pensé du petit saut de Jordan? Ben perso, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu une seconde, la seconde d'après, je l'ai vu, il était de l'autre côté, dans la tribune, j'avais pas compris. Après voilà, on m'a expliqué qu'il aurait pu se faire très très mal. Après, je suis très content qu'il ait pu bien s'en sortir. Parce que voilà, si on perd Jordan, ben, c'est vrai qu'on serait, pas très bien. T'as voulu te faire un petit bain de foule en fait? Ouais, je voulais m'asseoir en tribune pour voir ce que donnait le match des tribunes. Pour voir ce que ça donnait vite. Alors, ça donnait quoi? Ah, franchement, c'était un très bon match, ben, on a gagné, donc ça, c'était un très bon ressenti de la tribune. C'est bon, sur le coup, t'as pas eu peur de te faire mal ou... Vu que j'ai glissé, après j'ai vu le goudron, donc j'ai voulu me relever avec l'élan, donc je suis monté sur le muret, et en voyant le trou, ben, j'ai sauté dans la tribune. Et c'est vrai que sur le coup, en voyant ce trou, c'est vrai que j'ai été choqué, donc heureusement j'ai vite réagi. Bon, t'es au courant que je fais déjà le buzz là sur internet? Oh, c'est pas grave, ça, c'est pas un souci. Papy, toi, tu mettrais une note à son saut ouais. Franchement, ton saut, j'ai mis une note de... Sur 10, 10. 0. Oh le bâtard. 0. Fallait mourir, mon gars. Ah, tu serais triste, hein. Tu serais triste. Ouais, arrête. Tu fais 2-3 jours après. Non, c'est pas vrai. Tranquille, mon gars. Si, je serais venu te hanter, mec. J'aurais pris tous tes crampons. Ah, le bâtard.